Bonjour à tous les BG, gros bisous à mes cafardinos fidèles, l'actu e sport, votre émission Hebdomadaire, enfin en tout cas j'essaye de la faire de manière hebdomadaire parce que ça dépend un petit peu de la quantité d'actualité que j'ai à traiter. Et cette semaine il y a du très lourd, il y a du très 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 lourd. Qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux dans Counter Strike Le Major est de retour, le Major est de retour, on va voir aussi euh, Vitality, hein, le, leur petit parcours lors des Blasts hein, parce que là ils sont en train de nous faire un sans faute Vitality. Mais c'est un peu le point fort, le point faible des Français, je vais revenir un petit peu là-dessus euh, pendant cette vidéo. Dans la description vous avez mon site internet, les n'hésitez pas à passer par là si vous faites vos achats de matériel, ça vous sert de guide voilà je référence un petit peu tout ce qu'il y a de mieux dans les souris, dans les claviers et tout le matos informatique, comme ça vous êtes le mieux équipé possible et moi je touche une petite commission merci infiniment, commençons par cette actu par le Major qui aura lieu donc à Stockholm qui est je le rappelle, la terre un petit peu euh, de, de l'e-sport voilà les pays nordiques, ne nous le cachons pas les gars, ils sont très très en avance notamment sur la France, par exemple en termes d'e-sport, en termes d'infrastructure de développement, comment ils pensent un petit peu là-bas, ils, ils, ils sentent un petit peu le jeu là-bas. On va pas se le cacher, les fans se déplacent en grand nombre et tout. Et il va y avoir du public, voilà, il va y avoir du public. Et ça, ça va nous faire plaisir parce que ça fait quasiment deux ans qu'on n'a pas eu de l'âne avec des putains de fans, avec de la foule qui crie et tout. Ça va être la folie. Ça va être la folie, les gars. Je vous le dis, je, je suis déjà tout excité. Euh, Vitality n'est pas encore qualifié. Hein. Vitality n'est pas encore qualifié pour, pour, pour l'event. Euh, ils sont en passe de se qualifier. Il leur manque quelques petits points. Euh, pour ceux qui ne, ne le savent pas, chaque tournoi majeur euh, qui sont, entre guillemets, incorporés dans le circuit du major donne des points pour se qualifier au Major et donc les meilleures équipes euh, s'y qualifieront et il aura lieu le 26 octobre euh, vous pouvez déjà acheter des tickets s'il y a des, des fous furieux qui veulent aller se balader là à Stockholm et aller vivre un peu cet événement euh, quand je dis des fous furieux c'est parce que bon euh, récemment c'est compliqué quoi avion pas avion pas sanitaire vaccin pas vaccin voilà euh, dans un autre temps il aurait été plus facile de se déplacer vivre notre passion ça c'est sûr mais en tout cas ça va commencer donc le 26 octobre vous inquiétez pas je vais vous faire des vidéos euh, à ne plus savoir qu'en faire il faut savoir qu'il va y avoir une nouvelle méta aussi parce que euh, le drop de grenade la nouvelle D2 euh, la M4S qui a été buff donc il y a moyen qu'on voit euh, de la M4S enfin, ça va être la folie ça va être la folie Installez-vous les frères, on va parler de Vitality et de leur parcours lors des blasts. Parce que oui, Vitality est vraiment, vraiment, vraiment dans une, dans une bonne phase. Euh, c'est un peu le problème, ça, des joueurs français. Pour ceux qui suivent l'esport euh, sur Counter-Strike depuis pas mal de temps, on le sait, chez les Français, c'est vraiment des cycles un petit peu. Euh, ça, ça va vraiment fonctionner euh, à, à la confiance qu'ils ont entre eux et au momentum qu'il va, qu va y avoir euh, d'une courte durée. Là, pour le coup, ils sont en train de dérouler depuis... Euh, bah, la fin du player break quoi donc là on est en on est fin septembre donc depuis euh, l'après-vacances de août donc tout le mois de septembre là ils sont vraiment ultra forts ils font partie là pour le coup des meilleurs euh, joueurs euh, au monde et ils nous, ils nous prouvent encore une fois lors de cet événement qu'ils sont les qui font partie des meilleurs voire peut-être les meilleurs euh, en ce moment même même s'il y a quand même vita euh, navi euh, un petit cran au-dessus, parce que même Navi, euh, ils ont été absolument fantastiques. On commence donc cette blast par un match d'ouverture contre Team Liquid, équipe à ne pas sous-estimer, bien évidemment, parce que Liquid, ils ont fait une Pro League plutôt de, de, de très très bonne qualité. Euh, je trouve qu'individuellement, ils sont revenus quand même très très bons et tout. Donc on enchaîne sur ce petit BO3 qui voit Vitality l'emporter 2 à 1. 16 à 6, première carte inferno, grosse maîtrise, grosse maîtrise du side euh, CT, 11 à 4 euh, ce side CT, donc entre pas, pas match maîtrisé, pas trop de frayeur là-dessus, euh, voilà, ça gagne des rounds en face, c'est normal, c'est c'est les pros, mais au, au, au final c'est 6, match totalement maîtrisé de la part de Vitality, sachant que Inferno c'est une map que j'apprécie pas euh, de ouf euh, chez les Français, c'est-à-dire que je trouve quand même que on est assez fragile sur cette carte et pour le coup ça, ça, ça démolit, ça démolit, donc il euh, y a eu un renforcement au niveau du map pool. Euh, Peut-être une restructuration, changement de rôle, etc. Avec Kyojin, Mizuta, euh, Shox, etc. Qui s'expriment de, de plus en plus, je trouve. Mais on va voir c'est le, le temps qui va nous dire si euh, ça, ça a été payant ou pas et pour le moment en tout cas ça l'est on enchaîne deuxième carte vertigo qui est le pic de vitality qui est une map forte de vitality et où on se fait absolument exploser donc 16 à 8 encore une fois euh, là pour le coup c'est notre side qui a été catastrophique hein, catastrophique donc on fait le choix de, 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 de pic cette carte donc ça veut dire que on va commencer Terreau parce que Liquid va commencer cet bien évidemment. Et on ne met pas plus de 3 rounds. Donc voilà, on se fait laminer 12 à 3. Donc là, pareil, hein, c'est le même, euh, même compte-rendu, un petit peu, le même bilan que la première carte. Pour les adversaires mais cette fois ça sera pour nous maîtrise totale de la part de Liquid, grosse domination et euh, j'ai trouvé très très pauvre les tactiques ça manquait d'individualité ça manquait d'exploit bien évidemment mais j'ai trouvé un peu trop simpliste euh, les tactiques enfin ride on était ride quoi c'était lisible euh, donc à rebosser un petit peu je sais pas après c'est Liquid aussi c'est ils ont été ils ont été monstrueux voilà et on enchaîne sur une troisième carte mirage donc euh, maîtrise maîtrise encore une fois de la part de vitality on commence en défense on met 10 à 5 et on et on finit tranquillement 16 à 11. C'était un match un petit peu plus disputé cette fois, c'est Mirage, c'est une map plutôt équilibrée où Liquid sont très bons et Vitality également sont très très bons. Mais pour le coup, euh, Mirage, solide de fou, euh, bien évidemment, on a eu un Apex qui a été extrêmement mobile aussi, qui a été un élément clé de cette victoire. Donc pour le coup, belle maîtrise de la part des Français contre Liquid qui reviennent très en forme, donc pour le coup, je trouve quand même que c'est un bon petit match référence. Ensuite, ça enchaîne contre Astralis. J'ai fait une analyse d'ailleurs d'une des cartes, notamment celle sur Overpass que j'ai trouvée intéressante de la part de Vitality. Mais bon, c'est aussi la meilleure période de battre Astralis parce qu'ils sont en totale restructuration. Mais voilà, c'est une victoire encore une fois de la part de Vitality qui euh, met 2 à 0 euh, à Astralis sur Overpass et sur Nuke 16-12, 16-14. C'était un match plutôt pas équilibré parce que je trouve quand même que Vitality a dominé dans quasi tous les aspects du jeu, même si le score, euh, euh, il découle pas de cette vérité que je viens de vous dire, mais pour le coup, euh, je trouve que c'était ok. On parle de euh, winner bracket, bien évidemment, donc ça veut dire que là, Vitality passe euh, en grande finale, et donc est, est directement euh, qualifié, bien, bien évidemment. Astralis, donc, passe en loser bracket, il remonte le loser bracket, eux, et on rejoue encore une fois contre Astralis, et on, on finit par les battre une deuxième fois. Euh, donc on perd la première carte et on remporte les deux cartes suivantes sur Vertigo et D2. Donc on a perdu euh, sur Nuke, euh, qui est une map quand même très forte d'Astralis. Lors de la première euh, confrontation, on a fait 16-14 et là, on a été justement battu 16-10. à Et on remporte donc nos deux cartes derrière, 16-10-16-9. Encore une fois, une maîtrise un petit peu euh, de Vitality. Ils sont vraiment en forme Vitality, ils sont vraiment revenus à un très très bon niveau après le player break, justement. Je pense que c'est la meilleure période euh, où, on, où on peut justement espérer des titres pour Vitality. Donc on espère qu'ils gagneront les titres au Blast, les IEM et ensuite le Major à Stockholm. Alors là, je pense que tous les nostalgiques, tous les vrais, enfin pas les vrais passionnés, parce qu'il n'y a pas des faux et des vrais passionnés, mais les plus anciens en tout cas qui. Qui, qui ont connu euh, l'époque de Counter-Strike 1.6, et donc je m'adresse aussi aux nouveaux qui ne connaissaient pas les anciennes franchises d'1.6, pour vous rendre compte à quel point il y avait des joueurs qui étaient ultra dominants lors de cette euh, ère un petit peu de compétition e-sport, euh, e parce que c'est un, un des jeux les plus anciens quand même, Counter-Strike, et bien HLTV, donc le site de référence un petit peu euh, de l'actualité de l'e-sport euh, sur CS. A mis en place, a fait euh, euh, les 16 GO Stats, enfin une histoire de 16 GO Stats Legacy sur tous les joueurs d'1.6 et on voit donc les statistiques de Fallen de GetRide, right, de Neo de, euh, de Markeloff, le Sniper de joueurs français également Sixer, Major etc qui étaient très très bons sur un 1.6 avec les stats de, 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 des joueurs disponibles le nombre de maps qu'ils ont joué etc et comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte que même à cette époque là il y avait des monstres et que euh, le, le jeu remonte à très très longtemps et que ces gens là ne sont pas professionnels sur CSGO, par hasard ils sont là depuis vraiment des décennies pour le, pour, pour le coup, et ils sont extrêmement, extrêmement forts, je suis ravi que, que, que qu HLTV ait fait ça, c'est un travail colossal je pense d'archives, de, de, euh, de, de récupérer absolument toutes les données, d'essayer de tout euh, justement euh, mettre à disposition du public et tout, je trouve ça fabuleux, donc euh, félicitations en tout cas à HLTV qui fait euh, cette nouvelle section sur son site. Euh, vous, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil. C'est absolument extraordinaire. NIP va bien, mais NIP va mal. Alors, ça, euh, NIP va bien dans le sens où je trouve que leurs résultat depuis euh, le recrutement de Device a été plutôt positif, a été plutôt positif, je trouve qu'ils ont quand même un petit peu step-up, mais bon, ça reste dans le top 10 mondial, rien de foufou, rien d'extraordinaire en termes de de, 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 de titres, ouais, il y a aucun titre joué, donc oui, il y a du jeu de qualité qui est proposé, mais c'est un peu ce que nous propose Nip depuis quand même, euh, je dirais, deux ans, ça fait deux ans que Nip évolue à ce niveau-là, et pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Et donc, depuis que Device est arrivé, euh, on entend des rumeurs comme quoi Dupré devrait le rejoindre, euh, fin de contrat chez Astralis. Et là, bah, c'est euh, Threat, voilà, moi je vais le prononcer comme ça, le coach qui est remove de, de ce projet-là pour faire venir Calc. Donc c'est un Danois, mais bon, je, je ne le connais pas. Mais c'est juste qu'il est Danois, Device est Danois, donc très certainement que ça vient de l'initiative de Device. Donc rendez-vous compte à quel point ce monsieur vient et chamboule absolument tout. Euh, j'ai du respect pour Device, j'ai de l'amour pour Device. Euh, Trez est un ancien joueur d'un point joueur aussi sur CSGO, il a prouvé. Euh, euh, donc je ne comprends pas, je ne comprends pas. Gros changement, gros chamboulement. Je ne sais pas, vous, comment vous le ressentez un petit peu, Nip est que ça vous fait rêver Est-ce que ça vous fait pas rêver C'est quand même une des structures les plus emblématiques de la scène Counter-Strike et de la scène e-sport de manière générale. Comment dire Je ne sais pas analyser cette, 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 cette news, euh, euh, à part me dire que je, je, je suis un peu... Euh, voilà, quoi, je suis... Je suis un peu mitigé quoi sur, euh, sur tous ces changements. Ça paye, ça paye pas. On essaie de trouver en tout cas des coupables. Eddie euh, Vice était un petit peu euh, le nouveau capitaine et tout. Et j'ai peur qu'il euh, qu qu empatisse en termes de, de son, son image, quoi, de ce qu'on va penser de lui. Que... Parce que là, il y a beaucoup trop de changements. Pas dans le positif et tout. On, entend, on a vu des vidéos de lui rager et tout machin. Il y a moyen que ce soit le nouveau un peu tyran là-bas. Et, euh, et je le voyais absolument pas du tout comme ça. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. J'aimerais avoir votre ressenti là-dessus. En tout cas, voilà. Changement chez, euh, chez NIP de, du, du, du coach qui est là depuis historiquement euh, tout, tout le temps. Donc euh, c'est un peu bizarre. On continue avec Astralis, bien évidemment, et notamment Config. Alors euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, si vous avez suivi mon actu. Euh, config, il s'est fait mal à la main, il est remplacé par Colzera, machin, 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 il appartient toujours à Complexity bien évidemment. Et là, on a des leaks, on a des petites rumeurs, d'accord C'est de la rumeur là, de ce dont je vous parle, mais bon, les rumeurs sur CS en général, euh, mabit. Donc, euh, Config, qui est danois bien évidemment, euh, il serait, euh, il serait pressenti chez Astralis. Voilà, il serait pressenti chez Astralis, ce qui ferait quand même d'Astralis... Euh, de nouveau un prétendant à du, à du très très lourd parce que euh, glaive, Magisk, Config en, en, en trio en trio euh, en trio vraiment de stars et tout. Moi ça me ferait kiffer. Bon ça voudrait dire que Dupré s'en va. Hein. C'est ça, ça, sera ça sera acté je pense. Hein, il dirait no, normalement chez Nip mais euh, je sais pas ce que vous en dites mais config euh, mérite un petit peu plus de lumière parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on ne le voit plus etc parce que justement il est dans des équipes qui ne performent pas et puis faut pas oublier non plus que depuis deux ans justement la scène compétitive entre guillemets est, et, et fonctionne au ralenti à part les gros 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 style Navi Vitality et tout les autres ne font pas trop trop de bruit euh, et donc, euh, peut-être un petit peu redorer son blason, aller chercher un petit peu le, le mérite euh, qui, 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 qui lui revient. Donc, à, à vous de me dire un petit peu, Astralis Config, ça vous chauffe ou pas En tout cas, ça sent pas bon quoi. Moi, j'ai pas aimé moi ces histoires de ouais, j'ai mal à la main, euh, peut-être une blessure, etc. Et, et 4-5 jours après, ce, cette petite rumeur et tout. Autant nous dire les choses quoi. Autant nous dire les choses qu'on s'embrouille chez Complexity, qu'on n'a plus envie de jouer chez Complexity et qu'on veut, qu veut aller ailleurs, tout simplement. Mercato dans tous les sens. Enfin, Aujourd'hui, c'est Mercato partout. Euh, on essaye de se restructurer un petit peu partout. Ça va bien, ça va pas. Et chez Big, euh, c'est Legija qui refait son retour en tant que coach, mais à ce qui paraît, c'est temporaire. Donc très certainement qu'ils veulent dégager le coach, mais qu'ils ont personne. Que Legija, bon vu qu'il fait partie de la maison depuis des années, euh, on fait appel à ses services pour euh, pour un petit peu test aussi. Hein, si euh, si le mood est bon avec les, les joueurs, etc. Euh, Peut-être que si la sauce prend, il, il restera en coach. Ou alors ils prendront quelqu'un d'autre de plus. Compétent, enfin, j'en sais rien où est-ce qu'ils veulent aller, euh, mais en tout cas voilà chez Big, il euh, y a du moins bon, il y a du moins bon ces derniers temps et euh, et ça essaye de chercher un petit peu des coupables pépites pépitas euh, cerizas sur le gâteau euh, notre ami msl qui avait formé une équipe alors j'avais fait une, une actu la semaine dernière euh, en disant qu'msl avait annoncé son équipe de cinq joueurs que c'était des pépitas et que il fallait euh, donc le recruter enfin, il était en, en négociation justement avec des organisations pour euh, essayer de clôturer tout ça et de mettre tout le monde sous contrat et tout le bordel. Mais en tout cas, l'équipe était ensemble depuis quelques semaines, elle faisait des pracs, etc., etc. Et donc, l'équipe a été formée. Et bien, figurez-vous qu'elle disbande 20 jours après sa création. Voilà, 20 jours, 3 semaines après, petite disbande, euh, parce qu'il euh, y a justement ces jeunes pépites qui ont décidé de quitter le navire, parce que, soi-disant, enfin, selon leur statement sur Twitter, euh, le projet ne, ne, ne leur scierait pas aussi bien que ce qu'ils pensaient à la base. Et donc, euh, ils sont agents. Merci, au revoir. Euh, à, à disposition de tout le monde. Je ne sais pas, très certainement, qu'ils ont dû avoir de meilleures propositions sur la scène danoise. Je ne vois que ça, parce que ce projet avait l'air absolument euh, viable, dans le sens où il y a du MSL, il y a du AZ, il y a du Tenski, il y a du Jugi. C'est quand, quand même quatre joueurs qui sont sur la scène danoise depuis très longtemps, qui connaissent leur pseudo. Euh, le petit fessor, là, par exemple, qui fait ce statement, je trouve ça un peu prétentieux, arrogant de sa part de faire ça. Alors soit il a un gros projet derrière euh, parce que ce projet-là l'a mis en lumière et donc il peut aller un peu ailleurs. Sinon, euh, je sais pas, c'est un peu chelou. On te propose un bon projet, tu décides de t'en aller alors que t'es es personne entre guillemets quoi. Mais c'est euh, c'est un peu chelou. Voilà. Donc euh, prenez ça comme vous voulez. Chez Navi Junior, encore du kick. Euh, Pokorlov, je ne sais pas comment ça se prononce, les amis. S'il y a un peu des gens qui sont russophones, n'hésitez euh, pas à me dire la prononciation de ce pseudo parce que je ne sais pas. Et de toute façon, je ne saurais même pas la lire. Ça veut dire que même si vous répondez dans les commentaires de quelle manière il faut dire ce pseudo, je ne saurais pas le dire. En tout cas, euh, re, euh, de nouveau un kick chez, euh, chez Navi Junior. Je ne sais pas où va cette équipe chez Navi Junior. En fait, il y a 10 joueurs dedans, 15 joueurs, 3 remplaçants, 2 réservistes, 4 coachs et 3, euh, 3, euh, 3 analystes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ça kick, ça recrute, ça kick, ça recrute. Je pense qu'il y a un truc que bon, je, je pense avoir un petit peu. On recrute très large parce que c'est de la main d'œuvre pas chère. Euh, les Ukrainiens, les Russes, etc. Tous ces mecs-là sont payés 400, 500 dollars par mois. Pour eux, c'est vraiment euh, beaucoup d'argent. Pour une structure comme Navi, c'est vraiment de la masse salariale euh, pas très élevée. Donc, c'est pour ça qu'ils recrutent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Celui qui pète, il pète. Et derrière, ça va permettre à Navi d'alimenter de, de, un petit peu son image de découvreur de talent, de, 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 de structure qui. Qui, qui met justement en avant les jeunes, euh, voilà pour la popularité, il y a rien de mieux que ça. Mais moi justement, je le vois ce côté-là et je trouve ça négatif en fait. Je, je sais que c'est c'est de l'abattage en fait, c'est de l'abattage, c'est donc j'aime pas ça. Moi personnellement, j'aime pas ça. Euh, mais il y a moyen que justement euh, vous vous le voyez pas comme ça. Et que vous voyez en mode, bah non, ils recrutent un peu tout le monde, ça donne des chances à tout le monde, c'est des opportunités pour tout le monde, faut se montrer. C'est sûr que de ce côté-là, j'apprécierais aussi que ça se passe comme ça en France. Imaginez que Vitality fasse du Vitality Junior, propose du 500 balles à, à tout le monde par mois, c'est pas beaucoup pour eux. 10 15 joueurs 20 joueurs potentiellement ou 20 personnes entre guillemets à, avec du, du staff etc ça représenterait quoi ça représenterait 5 à 10 000 euros de dépenses par mois c'est vraiment ridicule pour une structure de ce calibre là et pour le coup ça engrangerait pas mal de rentabilité sur euh, la visibilité sur la popularité donc je peux comprendre je peux comprendre mais je vois le côté négatif de ça et c'est de l'abattage pour moi donc euh, je suis pas fan non plus quoi je suis un peu euh, entre les deux donc voilà encore une fois pour vous dire que Navi Junior bah, ça kick un mec, j'en sais rien. Grosse rumeur mais bon. Si j'en parle, c'est que on est on est on est on est très loin de la rumeur en réalité. Et du quasi fait, il switcherait donc chez Team Liquid sur Valorant pour rejoindre son grand frère Scream. Petite news, Valorant, parce que je l'ai dit il y a six mois. Voilà, je l'ai dit il y a six mois et ça a mis six mois avant d'être officiel. Mais voilà, le Krakito euh, est toujours à votre disposition pour vous donner de l'information de en avance. Et oui, je me suis fait insulter pendant six mois. Oui, oui, ça fait six mois que je me fais insulter. De temps en temps, bon, je ne vais pas vous dire tous les jours. Bon, juste après l'annonce, honnêtement, c'était assez fréquent. Après, on m'a lâché les baskets et de temps, en temps j'avais des petits mecs qui venaient sur twitch en mode bah alors Malek euh, euh, t'es un mytho t'es un menteur tu donnes des fausses infos oui niverai john liquid oui niverai john liquid et ça fait des mois qu'il est sur des smurfs les frérots ça fait des mois qu'il joue avec un autre compte sur valorant et qui s'entraîne à fond etc 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 pour revenir au niveau parce que nivera c'est pas un débile il veut venir avec un niveau sur, euh, sur valorant il veut pas venir comme tous les mecs de cs qui euh, entre guillemets sont venus en retard sur le jeu et, euh, et on voit qu'ils ont des lacunes par rapport à justement des mecs qui ont commencé depuis la bêta de Valorant et qui mécaniquement sont quand même assez affûtés et au niveau de, de, de la méta, de l'utilisation des utilitaires d'absolument tous les agents, ils sont quand même assez, euh, euh, assez costauds euh, les petits aujourd'hui. Alors que euh, de, de, sur le fait, on sait très bien que les joueurs qui sont plus expérimentés sur euh, CS, etc., vont euh, perdurer, je pense, sur ce jeu. Donc Nivera, il a fait un bon choix et il rejoint justement son frère Scream chez Team Liquid. C'est malheureusement euh, notre ami euh, Cryptix qui se fait kick, qui se fait bench euh, plus précisément, donc euh, jusqu'à la fin de son contrat très certainement euh, et ils le laisseront justement après explorer euh, d'autres opportunités euh, à la concurrence. Mais en tout cas, euh, je suis content. Voilà, je suis content parce que Nivera était un très 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 bon joueur sur Valorant, euh, sur CS pardon. Il avait largement le potentiel de, de retrouver des équipes, etc. Je pense que voir son frère au quotidien performer sur un jeu avec un écosystème, une une vraie structuration autour de Riot, ce que propose sur Valorant, etc. ces structures professionnelles de malade. Je pense que donc Nivera a été témoin de ça. On l'a vu justement aller lui aussi aux, aux locaux de chez de chez Liquid aux États-Unis. Ça donne envie, ça donne envie. Est-ce que tu préfères être potentiellement. Sur CS, qu'est-ce qui lui restait, à Annivera Honnêtement, qu'est-ce qui lui restait Il n'était pas chez Vitality. En France, il n'y a rien du tout. Et à l'intérieur, il y a quoi euh, Navi, ils vont pas aller le recruter. Euh, Gambit, ils vont pas aller le recruter. Astralis, ils vont pas aller le recruter. OG Complexity, ils ont déjà des snipers potentiellement. Donc ça va être un cran dessous. Peut-être du mousse. Euh, voilà, peut-être du mousse. Et encore, ce serait le top niveau euh, du mousse quand même. Et c'est du top 15-20 mousse à l'heure actuelle. C'est très fragile, c'est très irrégulier. Donc peut-être que Nivera, lui, il avait des, 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 des ambitions plus élevées, parce qu'il était chez Vitality, je le rappelle, euh, à l'époque où justement Vitality, c'était euh, du très, 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 très lourd. Hein. C'était du top 2-3 monde, euh, donc prétendant à une domination absolue sur la scène compétitive. Il voulait plus de temps de jeu justement chez, euh, chez Vitality. Il n'en a pas eu, donc ça s'est mal passé. Mais euh, pour vous dire que entre guillemets, par sa carrière a été finie sur CS, c'est faux ce que je dis. Mais dû à ses ambitions, dû à ses objectifs, très certainement, qui mettait la barre très haute et que cette barre ne pouvait pas être atteinte, dû à justement euh, des joueurs qui étaient sous contrat, euh, dont disposaient les structures et ça servait à rien justement de faire des changements. Un Faze qui dispose d'un broquis à la Wap, il va pas aller chercher du Nivera, alors que Nivera est un bon joueur et aurait pu performer à ce niveau-là également. Donc tout ça pour vous dire que vaut mieux être numéro un sur Valorant qui est, une, qui est un jeu compétitif aussi où il est très jeune et Riot on sait très bien qu'ils vont structurer ça de plus en plus, ils vont professionner ça de plus en plus et de toute façon euh, voilà Nivea il va, chez, il va avec son frère aussi, il y a l'aspect émotionnel et tout, gros salaire vous inquiétez pas, euh, donc le choix était entre guillemets vite fait pour le, pour le, petit, le petit Nabil. Donc euh, de, des bisous aux deux frères. Euh, je vous souhaite que de l'amour, que, la, que de la réussite et beaucoup de titres. Et, euh, et ça va être sympa, ça va être sympa à suivre. Et j'aimerais bien une francisation un petit peu de, de ce projet Liquid. Voilà, parce que là aujourd'hui on a les deux Belges qui sont dans ce projet-là. Euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien que ça recrute un peu du français aussi avec et pour essayer peut-être de faire un team Liquid euh, euh, francophone. Ça, ça me ferait kiffer de ouf. Hein, il manque un petit mec et on serait francophone. Ce serait pas exceptionnel ça.